Après 21 saisons dans l'anime Pokémon, Sacha était accompagnée dans son voyage par différentes héroïnes. Qu'elles soient dresseuses, coordinatrices, maîtres dragons, artistes ou de simples filles, certaines ont réussi à avoir un rôle plus marquant que les autres. Et yo les gars, c'est Alexan, et aujourd'hui les amis, on va parler ensemble d'un top des dresseuses héroïnes de l'anime Pokémon. Alors oui, je sais les gars, cette vidéo m'a beaucoup été demandée en attendant dans tous les commentaires des vidéos que j'ai pu faire sur les différents tops de l'anime Pokémon. Elle est enfin là, du coup je vous propose dans cette vidéo un top 6 de mon classement parmi les dresseuses héroïnes de l'anime Pokémon. Pour faire ce classement et pour les différencier avec de bons critères, j'ai choisi déjà leur niveau de dresseuse, ce qu'elles ont pu faire notamment et leur réussite dans leur domaine, ce qu'elles ont apporté au scénario, à la série, au Pokégroup et le dynamisme qu'elle apporte à la série en général. Bien évidemment, tu pourras me partager ton propre classement dans les commentaires en me disant tes critères à toi, quelles sont bien sûr les meilleures dresseuses de l'anime Pokémon pour toi parmi les héroïnes. Après, n'oublie pas bien évidemment que je propose quand même pas mal de contenu Pokémon, de vidéos manga animé, donc si tu aimes un petit peu tout ça, n'oublie pas de t'abonner, de me laisser un pouce bleu, cocher la cloche et on est parti pour le classement. Et pour commencer le classement les amis, je classe bien évidemment à la dernière place de mon top 6, Lily. Et là je suis sûr que certains se demandent mais pourquoi tu dis bien évidemment c'est Lily, pourquoi c'est forcément elle qui est dernière? Parce que d'un côté certes c'est une fille qui est hyper charismatique, elle a un joli chara-design, vous la trouvez plutôt sympathique et tout ça, elle est bien mignonne, tout ce que tu veux, mais malheureusement au niveau de l'intérêt qu'elle a dans la série, c'est pas forcément la fille la plus intéressante. Et d'ailleurs pour ma part je trouve que Alola elle a plus un rôle intéressant dans les jeux vidéo que dans l'anime. On va dire que Lily c'est vraiment le profil type carrément d'une fille riche, un petit peu bourgeoise, qui bouge pas trop son cul pour faire ce qu'il faut faire, et qui est vraiment très tranquille et très fragile. Même si forcément grâce à Sacha et ses amis, elle découvre un petit peu le vrai quotidien d'Alola. Elle s'amuse un maximum, elle sort un petit peu de son quotidien de fille de riche. Elle arrive quand même à s'amuser, à se rapprocher des Pokémon qui à la base lui faisaient peur. Elle a su vaincre sa peur, apprendre à apprécier les Pokémon à leur juste valeur. Mais sinon pour résumer ce rôle dans l'anime Pokémon, c'est quasiment un hérisson dans une usine à capote. Pas très utile du coup. Même si c'est clair qu'elle fait partie d'une famille hyper charismatique, et notamment Elzamina qui a eu un grand rôle à jouer dans l'arc de Necrozma, des Ultra Chimères et tout ça, que Lily a beaucoup aidé pendant ce temps là et également elle est aussi la sœur de Gladio qui sera le grand rival de Sacha à la Ligue d'Alola. Alors certes elle est quand même davantage mise en avant par rapport à Barbara et Nefi qui elles sont carrément laissées de côté, qui sont pas aussi intéressantes que Lily, mais quand même Lily malgré le fait qu'elle ait eu pas mal de protagonisme dans l'arc de Necrozma et tout ça par rapport à sa mère et tout ça, c'est pas forcément la fille de l'histoire la plus intéressante et forcément dans les autres saisons, les autres filles sont plus intéressantes. Après je sais très bien que c'est quand même l'une des filles les plus charismatiques et les plus appréciées par rapport aux fans des jeux vidéo en général, mais comme je l'ai dit, son rôle dans les jeux vidéo était quand même plus intéressant qu'elle a dans l'anime. Après en tant que dresseuse, c'est pas vraiment une dresseuse hors pair, elle est pas très forte en combat, elle a seulement un Goopix d'Alola, elle sait pas vraiment comment les dresser comme il faut, elle sait pas comment faire en tant que dresseuse, c'est pas le genre de fille qui va vraiment débloquer une situation en cas de problème, donc malheureusement pour elle, elle se retrouve dernière. À la 5e place de classement les amis, on retrouve Iris qui a accompagné Sacha durant son parcours à Noir et Blanc et notamment à Unis. Alors autant dans le jeu vidéo elle est hyper charismatique, elle est hyper badass en tant que champion d'arène ou du moins en tant que maître de la ligue, mais par contre dans l'anime Pokémon son rôle est carrément diminué et pas forcément très ouf. Alors après autant j'aime bien son chara-design autant dans l'anime que dans les jeux vidéo, elle accompagne Sacha du coup durant son parcours à Unis en tant que dresseuse simplement, elle a envie d'être une maître des dragons, mais elle montre quand même un cruel manque d'expérience là-dedans. Elle souhaite vraiment devenir une maître dragon, une très grande dresseuse capable de les maîtriser, surtout que dans l'anime, surtout les Pokémon dragons en général, c'est pas les Pokémon les plus faciles à capturer, à élever ou encore moins à dresser. Elle a vraiment du mal à se faire respecter déjà de ces Pokémon qu'elle possède, elle a du mal à être en symbiose avec eux durant les combats, pour les dresser comme il faut, pour parfaitement combattre avec eux. D'ailleurs, son Emolga, son Minotaur et même son Dracolos lui retournent un petit peu le cerveau à chaque fois. D'ailleurs, pour compléter son équipe, elle a au passage aussi un Grignot et évidemment aussi un petit coupe-note qu'elle doit faire évoluer par rapport à sa mission. Elle est quand même capable par rapport au lien qu'elle a avec son village et par rapport à son éducation de communiquer parfaitement avec les dragons. Elle a aussi pas mal d'aptitudes hyper intéressantes à découvrir. Au fur et à mesure de l'animé de Noir et Blanc, elle devient de plus en plus forte, elle maîtrise parfaitement ses Pokémon, elle arrive enfin à communiquer parfaitement avec eux, elle arrive parfaitement à combattre, à leur donner des ordres et même à remporter des combats et des tournois. D'ailleurs, si je dis pas de bêtises, elle a même remporté un tournoi contre Sacha en finale avec notamment un combat entre le Pikachu de Sacha et son Minotaur. Preuve encore une fois que Sacha est totalement con dans les choix de Pokémon. Après, mine de rien, même si du coup elle a eu un peu plus d'intérêt que Lily, pour moi c'est pas un personnage qui est hyper intéressant de base à découvrir du coup, enfin du moins dans l'anime Pokémon. C'est pas une fille qui peut s'imposer par rapport aux autres qui restent dans le classement. Et puis surtout, même si son chara-design est quand même hyper stylé, je trouve que c'est quand même une fille qui mentalement au niveau de sa personnalité est une fille à gifler tellement des fois à me foutait la mort. Alors là les amis, pour la suite du classement les amis, vous vous débrouillez comme vous voulez. J'ai mis la 4e et la 3e place à égalité parce que là je pouvais pas me décider entre Ondine et Serena. En fait leur problème c'est que par rapport à mes critères, c'est que tu peux pas forcément les différencier en tant que l'une c'est vraiment une pure dresseuse de base championne d'arène, l'autre c'est plus une artiste Pokémon qui a pas pour vocation de base de se battre. C'est quand même assez différent de les différencier, de les classer justement. Par rapport à Sacha, elles ont toutes les deux eu un rôle hyper important dans la série évidemment également aussi. Du coup je me suis dit qu'allez, pour éviter de les départager, je les mets toutes les deux à la même
même place entre la 4 et la 3ème. D'ailleurs, vous pourrez me dire d'ailleurs en commentaire qui est pour vous la plus intéressante entre les deux. Mais pour commencer d'abord, pour parler d'Ondine, parce qu'il faut bien commencer par l'une des deux, évidemment, pour les différencier ici. Alors évidemment, Ondine, c'est l'héroïne qui va donner dans ce classement peut-être le plus de nostalgie aux fans de l'animé Pokémon, parce qu'on l'a connue en première, c'est la première à avoir accompagné Sacha dans ses aventures. Elle nous a suivi notamment de Kanto à Johto. Même si après, bien évidemment, elle a fait quelques apparitions au fur et à mesure des saisons, et bien évidemment aussi dans Alola récemment. Autant dans le jeu vidéo, c'est une championne d'arène, mais aussi évidemment dans l'animé Pokémon, elle a su assurer l'intérim parfois quand ses grandes sœurs étaient pas là en tant que championne d'arène avant bien sûr de prendre le relais en tant que telle. Elle a une équipe full Pokémon O avec quand même pas mal de bons Pokémon comme Léviator avec lequel elle notamment peut faire la méga évolution. Là aussi Psychoquack, Staros, Corailon pour ne citer que parce qu'après elle a vraiment beaucoup de Pokémon O. Du coup le fait notamment qu'elle maîtrise la méga évolution, qu'elle ait une équipe complète, qu'elle ait quand même réussi à gagner pas mal de tournois, des trucs comme ça, pas mal de combats intéressants, ça prouve que déjà de base c'est quand même une très très bonne dresseuse. Du coup à ce niveau là elle a quand même déjà pas mal de mérite. D'ailleurs pour l'anecdote, elle avait quand même réussi à prendre le dessus sur Sacha plusieurs fois, que ce soit dans un tournoi avec des full Pokémon O aussi et notamment dans les concours de pêche ou les petits affrontements comme ça. C'est une fille qui est extrêmement amoureuse de Sacha, même si bien sûr elle s'en cachait au tout début de l'animé. C'est un des personnages féminins que les fans de Pokémon auraient bien voulu voir en couple avec Sacha depuis le début de l'animé Pokémon. Elle a su quand même apporter à Sacha pas mal de soutien, elle a apporté à l'histoire quand même pas mal d'éléments pour contraster avec le côté naïf de Sacha. Elle l'a beaucoup soutenu, elle l'a aimé en secret, même si bien sûr malheureusement pour elle il y en a une autre qui lui est passée dessus avant. Et bien évidemment vous savez bien sûr qui a embrassé Sacha en première, c'est bien évidemment Serena, l'héroïne de Kalos, qui a su bien évidemment se rapprocher de Sacha parce qu'à la base c'était simplement des amis d'enfance. Elle a décidé par rapport à toutes les autres de ne pas être une dresseuse, ni une coordinatrice, ni rien, mais plutôt une artiste Pokémon, qui est donc une nouvelle discipline instaurée par XY. Elle possède simplement 3 Pokémon avec du coup Pendespiègle, Nymphalie et Roussil, qui constitue sa petite équipe assez sympathique. Elle a réussi tout au long de la saison d'XY notamment à récupérer 3 clés de princesse, notamment pendant l'espèce de salon Pokémon. Elle a réussi notamment aussi à participer à l'épreuve des élus, même si elle aura perdu en finale malheureusement. Elle a su être reconnue pour son talent et décidera d'ailleurs après ça de partir justement dans d'autres régions pour pouvoir exercer son talent dans les concours Pokémon. En termes de popularité, c'est sûrement le personnage féminin le plus apprécié. En tout cas, tout le monde réclame son retour autant à Alola que dans les autres saisons qui viendront. Tout le monde veut en tout cas le retour de Serena pour qu'elle développe encore plus sa relation avec Sacha. C'est d'ailleurs elle qui a réussi à l'embrasser en première dans la série, qui a su montrer véritablement ses sentiments, non pas par des mots, des pensées, mais bien sûr par des actes. Et vous devinez bien quand même que si Ondine la prend un jour, je vous dis pas comme ça va gueuler les mecs. Encore pire que Booba Vesteris, mon gars, rendez-vous garde du Nord, hein. Là, ça va être le plus gros fight de l'année, mon gars. Et à Manu. En tout cas, vous vous débrouillez comme vous voulez dans les commentaires, 4ème ou 3ème, vous me les placez comme vous avez envie, je vous laisse le boulot pour une fois. À la 2ème place de classement, les amis, malheureusement, je vais placer ma Pokégirl préférée avec bien sûr Flora. Alors pour faire un petit rappel les amis, Flora c'était bien sûr l'héroïne de Pokémon, du moins dans l'animé Pokémon qui était là à Hoenn. Elle a su accompagner Sacha tout au long de son parcours, également aussi à Kanto durant le Battle Frontière. Elle a participé au premier concours justement Pokémon de l'animé Pokémon et de l'implantation des concours dans la série avec notamment une très belle équipe avec Skitty, Charmillon, Brazegali, Carabaf, Givrelli, Goinfrex ou encore Florisa. Elle était totalement débutante au début de la série quand elle a choisi son Poussifeu. Elle a progressé petit à petit, elle a quand même montré un caractère assez flamboyant. Elle s'énervait peut-être un petit peu à gauche à droite pour rien, mais à chaque fois elle progressait quand même. Son caractère lui a quand même donné pas mal de popularité auprès des fans. C'est une fille qui ne se laisse pas faire malgré l'adversité. Elle a quand même remporté beaucoup de concours, notamment dans les différentes régions, minimum 5 bien évidemment pour à chaque fois aller au grand festival de la région, que ce soit à Hoenn, à Kanto et même actuellement je crois à Johto. Elle a quand même réussi à avoir quelques rubans assez importants. Après, même si bien évidemment elle n'a pas réussi à ajouter de grands titres à son palmarès en tant que grand festival, en tant que meilleure coordinatrice, elle a à chaque fois fait des combats de malade, à chaque fois battu ses rivaux comme si c'était facile, on va dire. Elle a réussi en tout cas à submerger l'adversaire, à dépasser ses limites pour devenir de plus en plus forte. C'est d'ailleurs la première héroïne de l'anime Pokémon qui a su remplacer Ondine à sa juste valeur. C'était d'ailleurs la première fois que Ondine partait dans l'anime Pokémon et qu'elle a été la première à la remplacer. Elle a apporté un vent de fraîcheur et de nouveauté hyper intéressant à la série, hyper cool. En tout cas, c'est sûrement pour ma part mon héroïne préférée dans l'anime Pokémon. Et si pour ma part elle est deuxième à la place justement, comme vous l'avez deviné, de Aurore qui sera première, c'est parce qu'elle a pas su remporter de grands festivals et d'ailleurs elle avait même perdu contre Aurore lors d'un concours, qui d'ailleurs malheureusement va la battre aussi dans ce classement. Et pour terminer cette vidéo les amis, comme je l'ai dit juste avant, la première place de ce top des meilleures dresseuses ou du moins héroïnes de l'anime Pokémon revient bien sûr à Aurore. Alors pour faire un petit rappel évidemment, il s'agit de l'héroïne qui avait suivi Sacha dans la région de Sinnoh. Après bien évidemment, je sais que pour la plupart d'entre vous qui avez commencé, qui avait découvert Pokémon avec notamment les saisons de l'animé Pokémon Diamant et Perle et Platine, et évidemment pour les jeux vidéo aussi, pour vous Aurore c'est une icône, c'est vraiment la fille préférée etc, c'est la référence, ça portera peut-être plus de nostalgie pour vous que les premières filles. Elle a su énormément progresser tout au long de l'animé Pokémon parce que elle aussi tout comme Flora c'était une débutante, elle a pris un petit plouf, puis au fur et à mesure elle a beaucoup progressé pour remporter des concours. C'est un personnage qui est très charismatique, même si à certains moments son côté gamin et d'enfant, j'avais
j'avais quand même envie de la frapper à certains moments. Elle aussi c'est une coordinatrice, elle a su remporter pas mal de concours, même si bien évidemment par contre si tu fais son ratio entre les concours gagnés et les concours perdus, elle en a quand même beaucoup plus perdu qu'elle en a gagné. Elle aussi a su arriver en finale à Grand Festival tout comme Flora, mais malheureusement pour elle aussi elle n'a pas gagné. Mais comme elle avait réussi à battre Flora qui avait quand même à la base beaucoup plus d'expérience qu'elle, ça prouve quand même qu'elle est bien meilleure qu'elle, malheureusement plus de potentiel et donc au-dessus d'elle. Elle a su réunir au fur et à mesure des équipes sympathiques comme notamment Tiplouf, Togekiss, Furisson, Laporeille, Pachirisu, Capidex ou encore Mamochon. Aurore a su s'installer dans le cœur des fans et dans la série, autant dans les jeux que dans l'anime, comme une icône de l'anime Pokémon, et bien évidemment elle occupe la première place. Donc voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo sur mon top des dresseuses héroïnes de l'anime Pokémon. J'espère que ma vidéo vous aura plu. J'essaie de détailler un maximum ce que les dresseuses ont fait, ce qu'elles ont apporté à la série et tout ça. Donc vous pourrez me dire en commentaire si vous êtes d'accord avec mon classement ou pas. Vous laisserez bien évidemment, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, me mettre votre propre classement en commentaire, vous abonner, me laisser un pouce bleu si vous aimez mon contenu, mes vidéos et ce que je propose sur la chaîne. T'as également le lien de tous mes réseaux, de mon Tipeee également si tu souhaites m'aider dans ma description. Et bien sûr, à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.